Ce lundi 27 février, le 7e épisode de The Last of Us sortait sur Prime Video. L'héroïne de la série, incarnée par Bella Ramsey, a dénoncé les réactions homophobes de certains fans face à une nouvelle histoire d'amour dans le dernier épisode de la série. The Last of Us, ça continue. Ce lundi 27 février 2023, le 7e épisode de la série, déjà culte, sortait sur Prime Video, pour le plus grand plaisir des fans. Comme le jeu vidéo, la série se déroule dans un monde post-apocalyptique, où un champignon a muté au point d'infecter le cerveau des hommes. Envahis par des zombies, les quelques survivants ont réussi à se protéger dans des zones de quarantaine, où une nouvelle guerre voit le jour, celle qui oppose la dictature militaire, la Fedra, avec une faction rebelle, les Lucioles. Le héros de la série, Joël, incarné par le talentueux Pedro Pascal, tente de survivre et de sauver coûte que coûte Ellie, interprétée par la superbe par Bella Ramsey. Cette mystérieuse adolescente pourrait en effet tenir entre ses mains le secret pour sauver l'humanité. Les fans de Game of Thrones ont été ravis de retrouver la jeune actrice même si quelques internautes malveillants ont critiqué son physique. Dans l'épisode 3, qui mettait en avant les personnages de Frank et Bill, un couple d'hommes amoureux, survivant durant l'apocalypse, incarné par l'excellent Nick Offerman, et le très grand Murray Bartlett, les commentaires homophobes avaient afflué sur les réseaux. Ce genre de représentation est extrêmement important alors que le 7e épisode vient de sortir sur Prime Video, certains fans se sont à nouveau adonnés à des commentaires homophobes. En effet, l'héroïne, Ellie, est filmée embrassant une jeune fille nommée Riley, incarnée par l'actrice d'Euphoria, Storm Red. Au micro de Sky News, l'actrice Bella Ramsey a tenu à dénoncer ses commentaires dénigrants, qui affluent sur les réseaux sociaux. La comédienne de 19 ans a affirmé que ce genre de représentation était extrêmement importante, et qu'il était étrange que cette opposition aux histoires d'amour LGBT existe. Elle affirme, avec la situation climatique et tout, il y a tellement de choses plus importantes dont on doit se soucier, plus que deux personnes amoureuses qui s'embrassent. Avant d'ajouter, je suis très heureuse que HBO le fasse. Je sais que Craig Mazin, le co-créateur de la série, note de la rédaction, était vraiment passionné par cette histoire, a-t-elle encore expliqué. Si y est-il dans le jeu? Les histoires entre Ellie et Riley sont dans le jeu. L'histoire de Bill et Frank, dans l'épisode 3, note de la rédaction, est sous-entendue dans le jeu. Si est-il cool? Si l'histoire d'amour entre Bill et Frank n'était que sous-entendue dans le jeu vidéo, celle entre l'héroïne et Riley était bel et bien contenue dans le scénario de base.